Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast du blog mespremiersruches.com. Le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Paul. C'est un apiculteur qui a 80 ans. Paul est originaire de Suisse et vit en Provence. Cela fait 20 ans qu'il pratique l'apiculture. Paul va nous partager comment il a commencé l'apiculture et pourquoi il a choisi de s'associer avec Pascal, un autre apiculteur avec qui j'ai fait la première interview de mon blog, et nous expliquera comment ils organisent leur association, avec l'achat du matériel, le partage des frais, la répartition de la récolte. Paul va également nous expliquer comment il pratique l'apiculture. Je souhaiterais savoir, Paul, d'abord, quand est-ce que tu as commencé l'apiculture ? Nous sommes arrivés ici à Vaison-la-Romaine il y a 23 ans. Et on a acheté une maison, on avait déjà une maison à la Haute-Ville, une petite, mais après on a changé pour une plus grande. Et là j'ai planté des arbres fruitiers, et pas mal d'arbres que j'ai plantés. Et j'étais étonné de ne pas voir d'abeilles, ou très peu. Et ça fleurissait, ça donnait pas beaucoup de fruits. Alors, j'ai parlé à un copain. Ce copain, il est maintenant à la retraite. Il était prof d'école ici. Et lui, je savais qu'il avait des abeilles. Alors, il m'a dit, écoute, il faut absolument que tu mettes une ruche ou quelques ruches à la Haute-Ville, parce que là où, probablement, s'il n'y a pas maintenant d'abeilles sur les arbres, il faut apporter des ruches. J'ai dit, oui, mais comment je fais? Moi, je ne connais rien. Il m'a dit, si tu veux, je t'aide. Et alors, il connaissait un apiculteur qui arrêtait parce qu'il était un peu malade, il était vieux, et il avait eu beaucoup de ruches, et j'ai pu acheter le matériel qu'il me fallait. D'accord. Chez lui. Okay. Et après, il m'a aidé, mais au début, il m'a dit, on ne va pas acheter des peuples, des rennes, on ne va pas faire ça comme ça. Parce que lui, il a une douzaine de ruches. Mais il les laisse faire un peu. Il n'intervient pas beaucoup. D'accord. Et donc, c'était un peu sa philosophie, de laisser aller un peu. Il prenait quand même du miel, mais il laissait faire. Et des fois, il y a des ruches qui donnaient rien, il y en a qui meurent et tout, et il suivait quand même, il savait ce qui se passait, mais il n'intervenait pas. D'accord. Et donc, il a dit, mais j'aurai de l'essaimage de toute façon, alors on prendra un essaim, et comme ça, tu commences comme ça. C'est ce qu'on a fait, j'ai pris un essaim, dans une des ruches que j'avais achetée, on l'a mis dedans. Je l'ai transporté à la Haute-Ville, dans mon jardin. Je l'ai installé. Et voilà, et ça s'est bien développé. C'était bien sûr au printemps. Oui. Et j'étais étonné parce que j'ai fait la première année une dizaine de kilos de miel. Bravo pour la première année. Hein. Avec un essaim. Ouais. Un essaim qu'on avait ramassé. Ouais. Et donc, c'était un bon début. J'étais vraiment. Et c'était pour chaque intervention, j'appelais mon ami Jean-Claude qui venait me voir et on faisait les choses ensemble. Il a dit le mieux, c'est comme ça. Je t'explique pas trop. Et après, il a dit, tu veux peut-être lire quelques livres. Et voilà, j'ai acheté des livres, deux, je crois deux, trois livres. D'accord. Et
J'ai lu ça et donc petit à petit, j'ai développé des questions, je l'ai appelé et il m'a appris les choses. D'accord. Les questions sont venues au fur et à mesure de C'est l'année. ça, exactement. Et je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre. Bon, après, on apprend aussi en lisant parce qu'on a commencé et on est dedans et on lit. Bon, à ce moment-là, ça fait un sens. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Donc oui, deux aspects. D'abord, une personne qui t'apprend directement et l'aspect livre aussi. Oui. Ouais. Ouais. T'as pas fait de rucher école, par exemple, dans le syndicat d'apiculture du coin? Pas du tout. Pas du tout. Pas du Ok. tout. Bon, il était prof. Et donc, comme ça, et je pense qu'il l'a aussi là, automatiquement, il l'a employé, son talent de pédagogie. D'accord. Donc, avec lui, c'était facile. Donc tu as commencé première année avec une ruche que tu as récupérée, une ruche qui avait Oui. s'aimé. Et après, à partir de quand tu t'es dit que tu en voulais plus? Bah, c'était après venait de la déception. Parce que cette ruche, donc j'avais fait du miel, j'ai probablement pas bien préparé pour l'hiver. Parce que en hiver, vers le printemps, je me disais, mais ça bouge pas. Et j'ai ouvert. Quand il faisait chaud, là j'ai ouvert pour regarder et tout était mort. Mort, pas parti, mais mort. Ils étaient morts dedans. Et les abeilles étaient mortes. Un paysage affreux. Voir une ruche Donc morte. c'était vraiment une. Et je me rappelle de ça, je crois, j'ai mis 3 jours pour le dire à ma femme. Parce que ça m'avait vraiment frappé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les abeilles sont mortes. Et je l'ai dit à Jean-Claude, il est venu, on l'a examiné. On n'a pas vraiment, il y avait encore du miel, donc il y avait à manger, donc c'est pas la fin. D'accord. Et probablement, j'avais pas fait de traitement de varroa. Peut-être c'est ça, ou tout simplement que la reine est morte. Hein? D'accord. C'est tout à fait possible. Hein? Ça arrive. Hein? Et surtout que c'était un essaim qui, disons, ça se peut que la reine était vieille. Hein? Et donc, voilà, on a regardé ça et j'ai appris un peu nouveau, un petit peu. C'était une expérience aussi. Je nettoyais tout ça et j'ai dit, mais comment on fait maintenant? Il a dit, ben, on recommence. Il a dit, mais il faut peut-être pas que tu aies une ruche. De toute façon, ça va pas bien. Une ruche, on peut vraiment pas vraiment bien travailler avec une ruche. Il me fallait de nouveau des ruches. Et il m'a donné une de ces siennes. Et il a dit, prends celle-là parce que moi j'en ai de trop. Et j'ai pris une des siennes. Et après, il m'a appelé quand il avait un essaim. Et comme ça, j'avais commencé avec deux. Et là, je n'ai pas fait de miel. Ça dépend aussi de l'année, hein, et dans quel état était la ruche. Mais j'ai continué et j'ai appris quand même beaucoup de choses. Et j'ai parlé un peu avec mes copains. Et là, il y avait déjà un voisin là-haut qui disait qu'eux aussi voudraient. J'ai dit, mais va parler avec Jean-Claude, peut-être il peut t'aider. Et il a aussi acheté au même endroit un peu son matériel. Et alors il a commencé aussi, il avait aussi une ruche, mais il avait beaucoup de peine. Parce que, je sais pas, moi je suis fils de paysan. Hein, ma profession était
J'étais économiste d'entreprise, mais je suis fils de paysan. J'ai grandi à la ferme et j'ai à part ça, j'ai plus le sens pour la nature, pour les choses pratiques que lui, il avait. Lui, il avait pratiquement besoin d'aide à chaque intervention. D'accord. Et il n'a d'ailleurs pas duré, il a abandonné. D'accord. Mais après, il y a Pascal qui disait, ben, ça l'intéresserait. D'accord. Et il a pris aussi pour lui, et on a un peu coopéré, je lui ai montré des choses, et lui aussi, avec Jean-Claude. Jean-Claude était toujours là pour nous aider. Et il a installé chez lui, donc chez Pascal, il a commencé. Il avait une première aussi. Il avait, et je crois d'ailleurs, c'est la même chose qui lui est arrivée. Il avait une première ruche qui est morte le premier hiver. Et à un moment donné, parce qu'on faisait des choses ensemble et on s'entendait bien, alors, je ne me rappelle même plus si c'est lui ou moi qui avait l'idée. Pourquoi on ne mettait pas tout ensemble et on fait ensemble? Parce que c'est mieux aussi pour le matériel. Hein, comme ça, on l'a. On n'a pas besoin d'acheter chacun tout le matériel. Et on peut le partager. Et c'est aussi pour faire le travail. C'est intéressant. Moi, je trouve c'est très intéressant d'ouvrir une ruche ensemble. Parce que on regarde et lui va un peu vite. Il sait tout faire, Pascal. Et donc ça, c'est très pratique. C'est tout faire en apiculture ou en bricolage? En bricolage. D'accord. En bricolage, il sait tout faire. Donc, il y a toujours une solution pratique. Quand on a un problème matériel comme ça, il y a toujours une solution pratique. Et moi, je suis plus lent, un peu, mais... Et je réfléchis un peu plus, il agit un peu vite. Et tout ça, ça va très bien ensemble. Ça. On travaille très bien ensemble. Et chacun, quand vous ouvrez une ruche, vous avez des hypothèses différentes. Et après, vous pouvez les confronter on aussi. On regarde, et je crois qu'on trouve de bonnes solutions. D'accord. C'est intéressant comme démarche. Est-ce qu'il y avait eu un frein un peu économique à l'apiculture pour vous? Je ne sais pas combien coûte un essaim par chez vous. Bon, je n'ai pas ce problème. D'accord. Je pouvais facilement me payer même du matériel neuf. Parce que je suis d'une génération qui était bien traitée pour le travail. J'étais dans une grande entreprise et j'ai une retraite confortable. D'accord. Donc il n'y a jamais eu de frein financier. Non. Ça, c'est vrai. Maintenant, avec le frein, et si on doit... Pascal fait quand même très attention. C'est-à-dire, lui, il m'oblige de faire plus attention. D'accord. Et c'est bien. D'accord. C'est bien. Okay. Et quelle a été votre plus grande difficulté pour l'apiculture? Quand j'étais seul, j'avais un peu de problème quand j'ouvrais une ruche, de faire les manipulations, tout ça. J'avais un peu de problème au début. D'accord. Et peut-être aussi, j'avais un peu peur quand même, parce que quand il y a un nuage... Et après, on a appris aussi qu'en réalité, quand on fait les choses... bien, bien réfléchi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nuage d'abeilles. Oui. Vous avez peur que en ouvrant la ruche, elle vienne vous attaquer, par exemple? Oui, disons, j'étais un peu mal équipé aussi en vêtements au début. Oui.
Et qu'est-ce que vous aviez comme production, simplement la... Simplement le haut. Oui. Et donc, c'était Jean-Claude qui disait, « Ouais, pour commencer, ça suffit. » Mais, à mon avis, ce n'est pas une bonne solution. Ah oui, vous privilégiez l'équipement complet. Ouais. Oui. Parce qu'on est à l'aise. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est rare qu'on ait attaqué. Ça arrive, hein, parce qu'il y a des petits accidents. Et des fois, on doit intervenir un peu beaucoup. Et ça arrive qu'il y ait vraiment l'agression. Mais souvent, maintenant, on travaille et il n'y en a pas. D'accord. Tant qu'on reste calme. Maintenant, on reste. Et là, j'étais beaucoup plus à l'aise à deux. Oui. Ben bien, maintenant. Il y a ma femme qui s'est mise. Parce qu'au début, elle ne voulait pas de ruche ici. Parce qu'elle disait, mais les petits-enfants, ils vont être piqués et tout. Et elle était quand même, elle écoutait tout le temps, voulait savoir quand je suis allé aux abeilles et tout, voulait savoir. Et à un moment donné, elle disait, tu sais, on pourrait peut-être quand même mettre une ruche ici. Et je dis oui, c'est une bonne idée. Et on a cherché un peu où le mettre. Je crois que c'est un bon endroit là-haut. Hein, là. Et là, après, elle allait toujours voir un peu. Et elle me disait ce qui se passait. Il dit, tu voudrais pas un vêtement, survêtement? Tu peux des fois m'aider parce qu'on peut faire des choses ensemble. Et maintenant, elle a ça. Au fur et à mesure, oui. Elle a ça et elle vient des fois, elle vient, bon, quand on a changé des rênes, tout ça, il y avait des manipulations. C'était très très compliqué parce que pour tout faire comme il faut, on avait des rênes, c'était des ruches avec des rênes. Et donc on voulait les changer parce que ça essaimait beaucoup. On avait plus en plus d'essaimage. Et on voulait, on s'est dit, ça fait maintenant 7 ans maintenant qu'on n'a jamais acheté une reine. On n'a jamais apporté quelque chose de l'extérieur. Peut-être il faudrait faire ça. D'accord. D'apporter un peu du sang neuf. Et c'est là qu'on avait aussi connu ce copain belge. Apiculteur, on a donc on ici a, qui est venu. C'est le cousin d'une amie. Il y a son mari qui était un ami à moi très proche. C'était l'adjoint au patrimoine du maire ici et un artiste et. Et lui, il est décédé. Donc, et elle continue à habiter dans cette vieille maison avec de vieux arbres très très beaux à Crestet. Continue à vivre là-bas. Et donc, elle disait qu'elle aimerait bien avoir, parce qu'elle a dit. Des tilleuls. Elle a 4 très grands, merveilleux tilleuls. Et elle a dit, mais ça serait bien d'avoir des abeilles ici. Maintenant, on a 3 ruches là-bas. D'accord. Ok. Mais le tilleul, ça va être délicieux. Oui, tout à fait. Et donc, vous aviez, pas pour revenir aux rennes, vous avez décidé donc de revenir sur... Mais comment, sur quelle souche vous êtes là de Rennes? Ça ne faisait pas très bien, c'est un peu un mélange. Si, c'est la noire, mais on voit que c'est un peu. Okay. Mais c'est un peu mélangé quand même. Il y a des fois, on voit. D'ailleurs, rien que dans une ruche, il y a des noirs et il y en a qui sont rayés jaunes un peu. Donc c'est un mélange. D'accord.
qui n'est pas mauvais, hein, c'est parce que là, ça a très très bien travaillé, ils ne sont pas trop agressifs, donc c'est pas mal. Mais on n'arrivait plus, il fallait tout le temps faire quelque chose pour que ça n'essaime pas. Parce que au printemps, tout simplement, il y a des ruches qui essaimaient, il n'y avait pas de raison. Ce n'était pas des vieilles, hein. C'était un an, des reines, donc des reines d'un an. Ce n'était pas ça le problème, c'était tout simplement, ça devenait des ruches essaimeuses. Et d'après ce qu'on dit, j'ai aussi lu ça dans les livres, ça peut devenir vraiment SME. C'est-à-dire, il faut peut-être changer un peu de ça. Et voilà ce qu'on a décidé. Et donc, pour revenir à l'ami de Crestet, et son cousin et sa femme viennent souvent chez elle. Et lui, il est aussi apiculteur en Belgique. Amateur ou pro ? Il est entre les deux. Et il a plus de 50 ruches ? Parce qu'il a aussi une vingtaine de moutons. Il y a un peu tout. Et je ne sais pas, il avait une petite entreprise. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fabriqué. Mais il a beaucoup de terrain. Il a aussi beaucoup de légumes, et il a plus en plus de ruches. D'accord. Et ce qu'il fait maintenant, il élève des rennes. Ah oui, il est dans la génétique. Voilà, okay. Il élève des rennes. Alors il a parlé de ça, mais il a dit, mais je peux vous en procurer. Comme ça, on a vraiment du sang neuf. Alors on a dit, voilà, on a pris 5 rennes, et il fallait préparer ça. Donc pour chaque ruche, voilà quelle ruche qu'on veut prendre et quelles sont les étapes. Et c'est assez incroyable parce que, bon, on a fait ça à une époque qui est difficile. C'était début juin, vraiment en plein mielé. De cette année. Où il y avait énormément d'abeilles. Et cette année surtout, parce que ça avait commencé tôt, et donc ça a développé vraiment les ruches. Il y avait énormément. Alors on a fait ça, ce qui est un peu la folie, et donc il fallait, ce qu'on devait faire, on devait trouver la vieille reine. Elle était marquée, avec toutes les années. Pas marquée. La façon que nous on a travaillé, les reines n'étaient pas marquées. Est-ce que vous avez une technique aussi pour trouver les rennes, ou à part regarder chaque cadre? Mais on a développé, j'ai lu un peu, et comment les principes, et j'ai réfléchi, et j'ai parlé avec Sylvia, ma femme, qui avait aussi des idées, pour tester les idées, parce que ça devenait une procédure d'une dizaine de pas qu'il fallait vraiment faire, et voilà, comme ça, et préparer à quel moment, et voilà. Et j'ai tout écrit, et je l'ai donné à Pascal à lire et tout, et il a encore eu quelques commentaires, mais il a dit, mais ça c'est parce que la première fois qu'on a essayé, on n'a pas eu de succès. On a essayé de chercher la reine. Mais on a dit, mais c'est impossible dans ce peuple. Surtout en juin, oui. Dans ce peuple. Et bien sûr, là, on avait des nuages autour de nous. C'était pas beau. Disons, on a dit, non, mais c'est comme ça, comment on va faire? Finalement, on a dit, bon, peut-être il faut faire une division. Peut-être il faut faire une division et mettre la nouvelle reine dans la division. Et on a préparé deux, on a préparé comme ça. Et il y a une après qui était moins grande parce que
elle était de cette année, cette ruche. On avait, elle était, c'était déjà le produit de notre première division qui a eu lieu en avril cette année. Oui. Et donc celle-là, là, on l'a trouvée. D'accord. Tout simplement, on a quand même utilisé, pas en regardant, on ne l'a pas vue. Mais une méthode, c'est-à-dire on a une autre ruche vide à côté. Mmh. On met un rayon après l'autre, tout simplement, dans l'autre ruche. Oui. Et après, il faut tout vider. Il faut tout vider cette ruche, là, dans l'autre. D'accord. Et après, on met une grille à rennes dessus. Ou est-ce que vous preniez les anciens cadres et vous les secouez devant... on les secoue, c'est ça. C'est ça, oui. On les secoue là-dedans. Mmh. Il faut de toute façon, on avait mis sur la grille à rennes encore une hausse oui. vide mmh. pour que ça fasse un cadre. Oui. Et on l'a secoué là-dedans. Et c'est à ce moment-là que vous avez vu la reine oui. sur la grille à rennes. Ah oui. Donc sur cinq qu'on cherchait, oui. on a trouvé une. D'accord. Donc ça, et deux, on a eu par division, restait encore une autre. Et ça, c'était une ruche qu'on disait c'est la méchante. Parce que c'était une ruche, je ne sais pas très bien pourquoi, et on ne savait plus très bien d'où elle venait. Mmh. Et celle-là, les abeilles étaient très agressives. Alors on a... Très agressif, ne serait-ce que lorsque vous approchiez de la ruche, oui. sans l'ouvrir, oui. même à proximité. Oui. Oui. Alors on a dit, là il faut oui. qu'on change la reine, oui. il n'y a pas de doute. Oui. Alors là, justement, on a utilisé ma procédure. D'accord. Je ne peux pas l'imprimer parce que la petite dort dans mon bureau. Oui. Mais je pourrais l'envoyer. Avec plaisir. Si tu me donnes ton mail, oui. je te l'envoie. Et donc, là, on a employé précisément la procédure. Mm. Et c'est comme ça a marché. Donc, on l'a eu. D'accord. Même c'était... avec beaucoup d'abeilles. D'accord. Il y avait beaucoup d'abeilles. Ah, c'est intéressant. C'est long ou pas comme... C'est sur plusieurs jours ou c'est 10 non. étapes? Disons, ça, on pouvait le faire, disons, de trouver. C'était une demi-heure, hein, mm. trois quarts d'heure maximum. D'accord. Pour avoir la reine. Et bon, on la sortait. Mm. On avait de la peine à la tuer. Oui. Pascal, on l'avait dans un... Parce qu'on avait acheté ces petits... cages qu'on peut les prendre et où on peut les marquer. Hein. Alors, et laver là-dedans. Et parce qu'on l'a prise comme ça et on pouvait la marquer et tout. Et il y a Pascal qui va voir à Jean-Claude et il a dit, tu veux pas une reine? Jean-Claude, il a dit, non, j'en ai pas besoin. Il a dit, non, mais il faut que je sois honnête, celle-là, il ne faudrait pas que tu prennes. Alors, ils l'ont tué ensemble. Oui. C'est vrai. Et après, on avait trouvé rapidement une celle comme ça, avec cette procédure. Mais après, on les laisse sans reine pendant une semaine. D'accord. Il faut qu'elles aient envie d'une nouvelle reine. Mm. Sauf, pendant une semaine, ça développe des... Parce qu'il y a du couvain frais. Oui. Donc, ça développe des cellules. Oui. Donc, il y a encore une chose à faire avant de mettre la reine. Mm. Il faut enlever toutes les cellules. Oui. Et après, on pouvait mettre
La reine, on la mettait, voilà, on la mettait dessus et on regardait un peu comment ça se passe. Oui. Ah oui. Oui, elle avait des accompagnatrices, la reine. Oui. 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 Donc il faut les laisser. Et on n'a pas tout de suite ouvert. Hein. D'accord. Il y a un peu de cire. Non, c'est pas du cire. Du candy. C'est candy. Oui. Candy, un peu qui bouche. Ah, okay. Un bouchon en candy. D'accord. Et des deux côtés, elle le perce. D'accord. Et après. Ça donne le temps aux abeilles de s'acclimater. Voilà. Ok. Et là, ça a fonctionné pour toutes les nouvelles reines. Ça a fonctionné d'abord pour toutes et on a eu une mauvaise surprise pour une. Oui. Un matin, elle était chez Pascal. Un matin, il est allé voir, il trouve qu'il n'y a pas d'activité. Il regarde, il n'y a plus une abeille dans la ruche. Plus de miel, rien du tout. Elles sont parties. Alors, pourquoi elles sont parties? Parce qu'elles étaient bien là. Oui. Elles avaient à manger. Mmh. Elles se sont remplies comme un essaim normal. Mmh. C'est une partie avec la reine. Hein? Ah. Alors, on l'a perdue, celle-là. Ouais. C'est étonnant. C'était en juin? C'était début juillet. C'était début juillet de cette année. D'accord. Ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça, oui. Une nouvelle reine qu'on met dans une ruche, et après, avec la nouvelle reine, elles partent. Elles essaiment. C'est étonnant. Mais c'est pas vraiment l'essaimer parce qu'elle part avec tout le monde. Oui. Oui. Normalement, ça part pas. Il faut qu'il y ait une cellule d'abord. Il y a quand même c'est pas un essaimage normal. Oui, c'est pas un essaimage, oui. Je sais pas comment on peut l'appeler. Oui. Elles partent. Oui. C'est étonnant. Oui. Bon, on s'est dit, peut-être une nouvelle reine, c'est peut-être quand même mieux de leur donner une. Ça, c'était une division. C'était donc une ruche qu'on a fait une division. Il y avait aussi des cellules dedans déjà développées qu'on a enlevées. On a mis la reine, elle était acceptée, elle a commencé à pondre. On a regardé, commencé à pondre. Et un matin, bizarre, on ne sait pas expliquer la chose. Il n'y avait plus. Un matin, il n'y avait plus de reine, plus de ponte. C'est-à-dire, elle est partie, elle est tout simplement partie. Ah oui, c'est la même c'est celle la qui même, est partie. Ouais. Ouais. Il a commencé à avoir de la ponte. Est-ce que le fait de donner un peu de nourriture après pouvait aider? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a trouvé qu'elle n'y avait pas assez de nourriture? C'est possible? Ouais. C'est possible. Oui. C'est difficile de savoir. Après, c'est que des hypothèses qu'on peut faire dans l'apiculture. Ouais. Ouais. Mais donc, je me dis, je préfère, disons, surtout si on introduit une reine comme ça, et peut-être c'est mieux de l'introduire dans une ruche bien développée. D'accord. Et comment vous voyez l'avenir de l'apiculture? Je pense ici, l'apiculture va encore assez bien. On n'est pas trop embêté par les pesticides. Oui, c'est une ville qui se réclame sans pesticides. Il y a ça, et c'est aussi un peu parce que ici, c'est surtout la vigne. Maintenant, on traite beaucoup dans les vignes, mais les abeilles ne sont pas vraiment dans les vignes. C'est pas un endroit où vont les abeilles. Oui. Et il y a plus en plus de l'agriculture biologique. Oui. Il y a plus en plus, surtout des vignerons.
ça se développe beaucoup ici. D'accord. Donc, je pense que il y a pas mal de nature sauvage encore. Donc, je pense ici, ça a un bon avenir ici. Il y a du thym, il y a du romarin, il y a beaucoup de choses. Il y a des tilleuls, surtout là, un peu vers la Drôme. Il y a énormément de tilleuls. Donc là, je pense que c'est bon. Les plaines, c'est la façon que les gouvernements agissent, c'est catastrophique. D'accord. Surtout pour mieux des pesticides qui sont utilisés. Oui. Donc. Ouais. Et bon, moi je pense pas à la. Je pense pas que l'apiculture soit quelque chose où on a des grandes entreprises. Je pense que c'est plutôt. Ici on dit on peut vivre de l'apiculture si on a à partir de 200 ruches. D'accord. Ça c'est à peu près, mais il y a beaucoup qui en vivent qui n'ont même pas 200 ruches. Oui. Donc ils vivent peut-être parce qu'il y a le conjoint travaille encore autre chose et je pense pas que ça devient des beaucoup plus grandes ruches, je pense pas. D'accord. Si, par exemple, je vous présente une personne qui débute l'apiculture, quel conseil vous lui donneriez ? Une personne qui veut tout juste démarrer en disant, bah, comme vous l'avez demandé à votre ami qui était professeur, et bien, écoute, j'aimerais commencer l'apiculture. Quel conseil vous donneriez ? Ouais. Bon, je pense, c'est... D'abord, moi, je pense c'est quand même pas mal de lire peut-être un livre... un peu pour connaître un peu ce monde. Pas pour complètement, mais disons pour connaître un petit peu ce monde, pour se faire une idée un peu de quoi on parle. Et après, peut-être de suivre quelqu'un. Moi, je pense que ça serait utile. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Que peut-être on peut éviter en suivant quelqu'un. Est-ce que je peux t'aider pendant une saison ou comme ça ? Il faut quand même un peu de temps, hein, parce qu'il faut quand même un peu disponible. Oui. Hein, parce qu'il y a des choses à faire. Ce n'est pas que ça prenne beaucoup, énormément de temps, mais il y a une certaine disponibilité. Il faut avoir. Ouais. Et donc, je pense, si on a cette possibilité, si on est un peu disponible, d'aider quelqu'un pour voir un peu comment ça se passe. Vous l'avez fait vous-même auprès de personnes qui voulaient démarrer ? Je l'ai fait un peu avec Jean-Claude. D'accord. Mais pas assez. D'accord. Et auprès de votre ami, du couple anglais aussi ? Le couple anglais, eux, ils ne connaissaient pas du tout. C'est eux qui ont appris de moi. Oui. Et comment ça se fait d'ailleurs pour vous quel facteur en fait qu'ils aient pas réussi ? Est-ce que c'est des qualités ? Enfin, il y a quand même des qualités à avoir, peut-être de patience, arriver à se dire que l'erreur n'est pas si grave, ou d'arriver à rechercher sans qu'on a un problème, d'essayer de voir plusieurs hypothèses et d'aller les rechercher. C'est là justement, je dis, il faut qu'on ait une certaine consistance, une persévérance. Persévérance, oui. Et je pense, et après, il faut aimer, parce que c'est ça qui pousse ça. Moi, j'aime beaucoup ces appels. Pour moi, c'est jamais du travail. Hein. J'ai 80 ans maintenant. Disons pour faire, j'évite des grands travaux et tout ça. Maintenant, avant, je faisais pas mal de choses. Maintenant, je fais venir quelqu'un qui le fait. Je pense il faut aimer la nature. Je pense la nature, aimer observer. D'accord. Quand on observe comme ça, on va toujours un peu plus loin.
Et aussi, ben, quand même, vous avez eu le premier coup dur, première année. Faut, comme vous dites, il faut une consistance, une Ouais. certaine résistance aussi de dire, bon, c'est pas, peut-être que c'est un peu de ma faute, mais pas, enfin, il y a d'autres facteurs aussi. Et vous avez quand même voulu continuer. C'est ça aussi, Ouais. ça fait partie de la Ouais. consistance à avoir. Ouais. Beaucoup de qualité quand même. Et bon, moi je trouve de le faire avec quelqu'un, si c'est surtout des amateurs, il faut comme moi je pense que c'est bien d'avoir jusqu'à une dizaine de ruches. C'est flexible, hein. Il y a des années, par exemple, on avait terminé l'hiver avec 5 ruches. On est à 9 maintenant. Et bon, ça s'est donné comme ça parce qu'on était presque obligé de diviser. On était obligé. Je ne vois pas comment on aurait fait autrement. Autrement, on les aurait perdus. On aurait perdu du miel et autres avec l'essaimage. Mais ça, on l'a laissé faire aussi au début. Maintenant, on ne le laisse plus faire. On a appris un peu. Avant, vous laissiez faire les sèmages. Vous dites à des sèmes, c'est pas grave. Et on a vu que Vous avez quasiment la double. récolte est partie. Mais vous avez quasiment doublé votre cheptel de ruches en 1 an. Donc vous êtes passé de 5 ruches à l'entrée de l'hiver l'année dernière à 9 cette année. Oui, mais sans but précis Sans qu'on but veut précis, oui. arriver. Mais c'était ce printemps, on devait faire avec comme les ruches se développaient, c'est clair qu'on devait les diviser. Au moins deux qu'on devait diviser. Et après, il y a un essaim qui nous est venu. C'était à Crestet, là chez cette amie, elle nous appelle et dit, ah, il y a un essaim qui est là. Et moi, j'étais pas là, mais Pascal est allé la récolter et on l'a. Il s'est très bien développé. D'ailleurs, c'était pas un essaim, c'était un essaim probablement secondaire qui avec une jeune reine, parce que ça s'est développé d'une façon vraiment incroyable. Impressionnant. Et voilà, et c'est rapide comme ça qu'on augmente. Et après, on avait encore fait une division parce qu'on pour la mettre la nouvelle reine. Donc c'est par ces choses-là qu'on est arrivé à 9 ruches. On a donné une parce qu'on voulait plus. Oui, après ça faisait trop, ouais. Sympa. On a d'ailleurs plusieurs qui ont commencé, et on avait en plus un autre essaim, un assez grand essaim, qu'on a donné à un copain de Pascal, D'accord. qui a maintenant 2 ruches dans la forêt là-haut. D'accord. Ok. C'est généreux. Et c'est bien quand la façon qu'on travaille ensemble. Oui. Parce que vous-même, on vous a donné des ruches, donc vous en... Oui. des essaims, donc on... vous essayez de vous perpétuer la tradition. Et vous pensez que vous y passez combien de temps par semaine ou par mois aux ruches? En heure, c'est pas énorme. C'est pas énorme, oui. C'est pas énorme. C'est plus en disponibilité. C'est-à-dire, on dit, comme ce matin, il faut aller, il faut maintenant qu'on te déménage parce qu'elle est trop exposée là-bas, toute seule. Mais ça prend 1 heure pour faire ça. Alors, je dirais, maintenant, il y a un peu de travail. L'année dernière, on a suspendu, on a pris tous les rayons qu'on a maintenant parce qu'on a éliminé quelques deuxièmes hausses et on les a suspendus. C'est là chez notre amie à Crestet, ça ferme, elle a une
hangar, un tout vieux, et qui est ouvert. Alors, on a tiré une corde entre deux poutres et on a suspendu tous nos rayons pour que ça soit à l'air, ouais, et à la lumière. Pour éviter la fausse teigne. Voilà. On fait ça, on va aller là-bas, ça nous prend 1h30. Ouais. Et donc, je dirais 2-3 heures par semaine. 2-3 heures par semaine, d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire de l'apiculture en y allant seulement une ou deux fois par mois? D'avoir ces ruches à l'extérieur de la ville et de se dire, bon, bah, un ou deux samedis par mois, j'y vais une matinée. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile, oui. Parce que c'est la surveillance un peu. Hein. C'est un peu difficile. C'est pour ça que je pense que c'est bien peut-être s'associer avec quelqu'un qui peut jeter un coup d'œil ou qui fait la même chose. Mais tout simplement, de cette manière, je pense que c'est difficile. D'accord. C'est toujours possible, hein, comme Jean-Claude, lui, il disait, je m'en occupe pas. C'est pas tout à fait vrai. Il l'a dans son jardin, il les a dans son jardin. Il jardine constamment. Et il n'y a pas une fois qu'il va dans son jardin sans regarder ce qui se passe dans les rues. D'accord. Petit œil dessus quand même. Même s'il ne fait pas, il n'intervient pas beaucoup. Nous, on a appris, il faut intervenir quand même un peu. Là, au printemps, quand ça peut aller très vite. En une semaine, deux semaines, peut y avoir une miellée. Et si on est... Et le nombre d'abeilles s'est tellement développé, se trouve à l'étroit. Et en deux semaines, ça peut provoquer un SMA. Oui, en deux semaines. Ouais. C'est vrai qu'il faut réagir rapidement. Ouais. C'est pas le nombre des heures qui est un problème. Mais la disponibilité. À mon avis. Oui. Maintenant, à des apiculteurs, comment ils travaillent, je ne sais pas très bien comment. Des professionnels, de la façon comme de quel. Bon, eux, souvent, ils sont dans la transhumance aussi. Hein, parce qu'ils doivent vivre de ça. Mais est-ce que vous, maintenant que vous avez 9 ruches, est-ce que vous avez fait ou vous pensez faire des carnets de suivi de ruches en disant, bah, là, pour telle, là c'est telle ruche, la reine date de telle année, est-ce que vous faites ce genre de suivi? Ou est-ce qu'à chaque fois vous vous rappelez, vu que vous êtes deux... Jusqu'à présent, on l'a. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer parce que je l'ai dans la voiture. Très bien. Alors, on les a numérotés maintenant. Non, c'est pas intéressant de tout lire, mais c'est on dit aussi quand on a récolté. Oui. Oui, comme ça, que ce soit l'un ou l'autre, avant d'aller voir une ruche, oui, ça donne un bon aperçu de dire, bon, bah, où est-ce qu'on en est. Et on a ça dans notre Kangoo. Oui. Parce qu'on la partage aussi. Ah, d'accord. Okay. On la partage, et c'était notre voiture. Et donc, à un moment donné, on a acheté une autre pour nous. Mais je ne voulais pas la vendre parce qu'elle marchait bien, elle n'a jamais eu de problème. Ouais. Et donc, je savais que Pascal, avec son olivret, et tout, ça pourrait être utile. Je lui ai parlé, je lui ai dit, tu serais intéressé qu'on partage cette voiture. Ok. D'accord.
Et donc, on laisse ça dans le boîtier. Et à chaque fois, quand on y va, on le note. On a des comptes, on a même des comptes kangous aussi communs. On a les oui, la répartition du miel. Les abeilles. La répartition du miel est tout simple. On le fait ensemble. Quand on met en pot. Et là, on avait décidé, parce qu'on avait pas mal, de vendre un certain stock. On a vendu. Et d'ailleurs, ça s'est vendu tout seul. Mais vous le vendez combien, sans indiscrétion? Là, on l'a vendu 9 € les 500 grammes. 9 € les 500 grammes, oui. Très bien. C'est le prix qu'on voit normalement. Tant mieux d'un côté si ça peut... Parce que c'est vrai que quand on additionne les chiffres pour l'apiculture, ça fait cher. Le matériel est onéreux, oui. Oui. Est-ce que vous êtes... Le parti pris, c'est jamais de plastique pour vous? Le maturateur ou aucune ruche pour vous n'a de plastique? Un plancher en plastique, oui. Non. Mais c'est des... On a ce matériel donc, qui provient d'un ancien apiculteur. J'ai quand même changé un peu parce qu'il y avait souvent des socles. Il n'y avait pas la grille dessous. Oui, d'accord. Nous, on a mis partout. Là. Oui. Il n'y avait pas la... Oui, sur le plancher, il n'y avait fermé. Pas cette... Oui. Fermé. Ah, fermé. Ouais. Ah, il n'y avait pas d'aération. Ah, c'est étonnant. C'est un peu une vieille façon. Oui. Mais c'est quand même, ça manque d'aération. Oui, pour éviter. Ouais. Okay. Bon, en hiver, nous, on met des fois. Mais on a fait ça cet hiver. On a mis une isolation dans le tiroir. Il faudra qu'on fasse moins épais. Moins épais, oui. Parce que ça crée un peu d'humidité. D'accord. Peut-être on n'a pas besoin. Peut-être on n'a pas besoin de mettre des isolations. Ici, avec ce climat. Ouais. Bien sûr, il peut y avoir des hivers si ça descend à moins 10 pendant une semaine. Mais on n'a plus connu ça depuis longtemps. D'accord. Très bon. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui est allé jusqu'au bout de ce podcast et je vous en félicite. Vous faites partie des personnes qui veulent apprendre. Bravo. En tout cas, ce que je retiens de cette interview avec Paul, c'est ses conseils aux débutants. C'est que pour lui, pour bien commencer l'apiculture, il faut avoir de la disponibilité. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, il faut également de la persévérance et il faut aimer les abeilles. Abonnez-vous à ce podcast, je suis présent sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. En allant sur mon blog mespremièresruches.com, vous êtes libre de recevoir le guide de l'apiculteur débutant, dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture. J'explique comment maîtriser les 4 saisons de l'apiculture, je vous donne des conseils pour éviter les erreurs qui coûtent cher, comme l'essaimage, une ruche morte, le varroa. Et en plus, je vous donne 7,5 conseils redoutables pour devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu au groupe et forum d'apiculteurs que vous connaissez. Cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume@mespremièresruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez, comme Paul, partager en tant qu'invité sur le podcast, vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi directement par email à guillaume@mespremièresruches.com. À bientôt!